petite vidéo en ce lundi matin pour avoir des nouvelles du chantier. Bon, il y a des gros nuages dans le ciel, mais apparemment, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Alors, on commence à sentir un peu la fatigue s'installer. Si mes comptes sont bons, on doit être au début du troisième mois de chantier. 12 semaines déjà. Ils sont à 100% tous les trois pratiquement sur la construction. Donc on fait un petit récapitulatif. Le premier bâtiment, tout est ok. On attend en fait les châssis. Et on pourra ensuite isoler le sol et terminer le bardage de l'autre côté, ainsi que poser les panneaux photovoltaïques. Et le deuxième bâtiment, ben ça y est, il existe, il a pris vie, il a pris forme. La toiture a été compliquée, là aujourd'hui elle sera recouverte. Et donc début de cette semaine, ils vont démarrer l'isolation du plancher et le travail à l'intérieur. Donc tout va bien. Alors, petite vidéo du jour avec Salomé qui est toujours en pyjama. Et oui, journée pédagogique. Aujourd'hui, on a deux enfants. On a Salomé et Aurélien, mais les jumeaux sont à l'école. Semaine un peu particulière pour le chantier puisque Thibaut a été beaucoup occupé par les enfants étant donné que j'animais mon séminaire, le Cercle des Valkyries. Donc, je n'ai rien suivi du tout de toute la semaine. Donc, je vais aller découvrir avec vous tout ce qui s'est passé. Je vois qu'ils ont refermé les ouvertures parce qu'on va commencer à isoler l'intérieur et donc il ne faut pas que ça sorte par tous les trous. Pas qu'il y ait d'humidité non plus, mais je crois qu'aussi ils ont mis le plancher à l'intérieur. On va aller voir ça. Voilà. Youhou, on a un sol. Regardez ça, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien. Alors, on doit composer avec les éléments aujourd'hui. Beaucoup de pluie ces derniers jours en Belgique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chantier avance. Alors, concrètement, petite nouvelle du chantier. Donc, Pierrot, Thibaut et François sont en train de monter les cloisons intérieures. Ce que vous voyez en face de vous, c'est à droite la première chambre, au milieu la salle de bain, buanderie, toilette, et à gauche la deuxième chambre. Donc vous l'aurez compris, le principe c'est de faire une mezzanine à l'étage, mezzanine qui débordera en partie de la cloison, de l'épaisseur en fait des meubles de la cuisine, qui vont venir se poser sur le mur ici à droite. On va avoir un meuble de cuisine de 60 de profondeur, donc la mezzanine dépassera 60 et on pourra y placer deux lits simples supplémentaires. Donc pour la petite histoire, hier je suis passée sur le chantier pour voir un peu comment ça avançait et en fait j'ai été étonnée du manque de place qu'on avait dans les chambres et de la grandeur de la salle de bain, donc j'ai ce matin fait démonter. L'idée était de raccourcir la largeur de la salle de bain et d'agrandir la taille des pièces chambres. Alors je vous montre, on rentre par la porte. Et là on est dans la première chambre où on mettra deux lits simples. Hop. Ici on arrive dans la salle de bain,
dans lequel il y aura une baignoire à gauche, une douche à droite et un WC au fond. Ainsi que le chauffe-eau qui se trouvera dans le petit coin. Et ici, on rentre dans la deuxième chambre. La chambre qui est un peu plus grande et qui permettra donc de placer un lit de 180 sur 200, si on le souhaite. Chaque pièce a évidemment sa porte-fenêtre. Hello tout le monde! Alors, quelques petites nouvelles du chantier pour voir un peu où on en est. On vous avait laissé dernièrement avec la construction de la toiture et puis ensuite les détails intérieurs. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, première chose, le sol de cette annexe a été isolé. On va donc pouvoir finaliser le bardage. Les châssis arriveront tout début juillet, donc dans 2-3 semaines maximum. Et on pourra ensuite finaliser l'aménagement intérieur de cette annexe. Par rapport au second bâtiment. Donc ensuite, après la période compliquée de la toiture, ils ont pu s'attaquer à l'intérieur. Ils ont commencé par recouvrir l'espèce de grand ovale central en béton. Ils ont pu ensuite isoler. La personne qui a isolé l'annexe est revenue pour isoler le sol. Ça a été un peu différent parce qu'on n'a pas pu injecter avec la machine. Il a fallu le faire à la main, étant donné que c'était toutes des petites logettes séparées. Donc le sol a été isolé et ensuite recouvert. Une fois que le sol a été recouvert d'OSB, ils ont pu commencer à travailler les structures intérieures, c'est-à-dire les cloisons en fait, qui démarquent de manière assez claire les deux chambres, la salle de bain. Et ensuite, une fois que ces cloisons ont été mises, ils ont pu faire la mezzanine. Et maintenant, ils sont en train de s'attaquer aux détails techniques, eau, électricité, évidemment, avant de refermer les murs, d'isoler. Et ils ont d'ailleurs déjà mis la petite paroi en plastique qui va permettre en fait, l'intello, voilà, l'intello, le produit qu'on voit là, le tissu qu'on voit là sur tous les murs, afin de pouvoir injecter l'isolant qui est d'ailleurs déjà là, vous voyez ici, hop, tout est déjà là, on attend en fait de terminer les cloisons intérieures pour pouvoir isoler tout ça. Et les châssis sont commandés, les châssis arriveront aussi à mon avis au courant du mois d'août. Donc les choses prennent forme, c'est très très chouette. Je vous montre tout ça en images.